Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Le Dieu puissant, Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Le Dieu puissant, Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. On va changer de note, on va changer de, note. on change de note, on va monter, monte, s'il te plaît. C'est toi, toi Jésus, le Dieu puissant Le Dieu puissant, c'est toi Jésus Le Dieu puissant Le Dieu puissant, c'est toi Jésus Le Dieu puissant Le Dieu puissant, c'est toi Jésus Le Dieu puissant Et qui soit loué, soit loué oui, sois loué. Ah. Oui, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. La main cachée, c'est toi, Jésus. Ah. La main cachée, c'est toi, Jésus le pain de vie c'est toi Yahweh le oh le pain de vie c'est toi Yahweh oh salué, loué oh sois loué oh sois, loué. sois loué, ah. oh sois loué. Jésus, le Dieu fidèle, c'est toi, Jésus. La vie fidèle, c'est toi, Jésus. La vie fidèle, c'est toi, toi, Jésus. Oh, sois loué. Oh, sois loué. oholuyambi 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 yihwihwii aleluya yihwihwii ale. De mon père, il y a de la vie vive, il y a de la joie, 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 oh. joie, joie. キャキマエヴェキャキキエマキャキマエヴェキエマイメマ

Où soit l'Éternel Oh loué soit l'Éternel Il veille sur mon âme Loué soit l'Éternel De ma famille. Oh, loué soit l'éternel. Louez soit l'éternel. Oh, louer soit l'éternel. Yahosana. aya osanauya osana aeuya saokoyemba kombo na yeembakombona ye soto ye. oh, yema

ko oh, ko ye ma ko mona ye eko eh, eh. oh, ye ema eh, ko mona ye eko ye ema iso to ema iso to ema iso to ema Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Nous, de pauvres pécheurs, reconnaissons ainsi notre misère morale. Nous te disons d'abord, pardonne-nous, Père, pour tout ce que nous avons fait, Père. Nous ne pouvons pas, Père, nous présenter devant toi en bombant nos torses. Impossible. Nous reconnaissons notre misère morale et te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée depuis ce matin et que nous sommes arrivés ici. Nous avons le privilège, Seigneur, d'être autour de ta table. Maintenant, je te dis merci. Pour les cantiques qui sont montés vers toi pour la gloire de ton Seigneur. Je te demande, ô oh mon Dieu, que tu répandes ton esprit sur ton peuple, Père éternel. Que tu puisses toucher le cœur. Que tu puisses ouvrir, ô oh mon Dieu, Père, leur esprit pour qu'ils comprennent comme tu l'as fait sur le chemin de Maïs. Tu es le même Dieu, Seigneur. Tu es le même Dieu. Accorde-le-nous. Père, à moi, que tu as donné cette responsabilité. De me mettre derrière cette chair. Je veux que Père, tu puisses, oh mon Dieu Père, purifier mes lèvres comme tu l'as fait pour Esaïe. Je besoin de toi, Père éternel, que toi, tu viennes prêcher ta parole, que toi, tu viennes conduire ce culte. Je te fais confiance, oh mon Dieu, que tu exerces tout simplement ma langue pour faire ce travail d'une manière libre et avec, oh mon Dieu, Père, respect. Sois avec nous, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, Père, pour chaque détail pendant cette prédication. Je te fais confiance, Père, que tu nous accompagnes. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. La grâce n'est que grâce pour la personne qui la considère comme grâce, n'est-ce pas? Amen. Nous avons reçu la grâce, mes bien-aimés, ce matin d'être encore ici. Amen. Nous n'avons rien mérité. Amen. Ceux qui sont passés de l'autre côté n'ont pas aussi démérité. Mais Dieu, par, par sa préscience, fait ce qu'il veut faire. Amen. Par sa souveraineté, il fait ce qu'il a envie de faire. Amen. Et personne ne peut s'élever pour venir lui dire Eh, hey, Qu'est-ce que tu es en train de faire Dieu n'a jamais eu de conseiller. Jamais. Il n'a vraiment pas besoin de ton autorisation pour qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, ce qu'il fait sur cette terre, c'est vraiment pour le bien de l'humanité. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il vient de nous accorder d'être encore ici ce matin, non pas pour venir vendre, non pas pour venir acheter, non pas pour venir nous faire voir. Mais tout simplement pour venir l'écouter. N'est-ce pas? Dans l'Epsomme 133, nous pouvons lire Oh qu'il est beau. Il dit Oh, qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il faut bien comprendre que veut dire le verbe demeurer. Le verbe demeurer veut dire rester. Vous comprenez? Respect. Rester, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'hermon, La rosée le matin, pour le plante, la rosée joue un rôle très très important. Qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, tu as peut-être la raison de rester à la maison puisque tu ne peux pas venir. Mais toi, mon frère ou ma soeur, qui restes à la maison parce que tu ne veux pas payer le prix, tu veux offrir à Dieu un sacrifice qui ne coûte rien, tu es là maintenant assis dans ton canapé pour suivre la prédication. Je ne sais pas, puisqu'ici, on nous a dit, on nous dit, hein, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, quand les frères sont son, son ensemble. Il n'y a pas d'autre explication à me donner, un esprit, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, on supprime le psaume 133. Il, il, il dit, oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer, rester ensemble, tel que nous sommes là. Rester ensemble, tel que nous sommes là. Frères, sœurs, tu dois apprendre à payer les prix pour ta Amen. vie chrétienne. Amen. Alléluia, tu dois, Amen. tu dois apprendre à à avoir des risques, Amen. parce que c'est pour le Seigneur. Quand on, on t'apporte tout sur le plateau, alors finalement, euh, le pasteur viendra à la maison pour commencer à te lire la Bible, pour commencer à te prêcher à la maison. Non, 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 non je n'encourage pas ça. Amen. Ceux qui sont malades, oui, Dieu voit. Amen. Ceux qui sont malades ont le privilège de suivre via Internet. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es en bonne santé. Tu, tu vas me donner des explications. Écoutez-moi combien Il faut être là. C'est là où le Seigneur envoie, il est écrit, euh, euh, envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, quand nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Très bien. Il y a deux semaines, nous avons parlé sur euh, l'identité, la marque d'identité. Et euh, la fois passée, c'était sur l'état d'homme fait. C'est pour dire qu'un disciple accompli, c'est-à-dire un HBC2, a revêtu son uniforme. Alléluia. Il a son uniforme, sa marque d'identité. Et il a une bénédiction de notoriété selon... Deutéronome 28, versets 9 à 10. Il est craint par tout le monde. Il impressionne. Pourquoi? Parce que les choses du monde ne pas en lui. Amen. Dieu dit Un disciple accompli est obligé de faire la volonté de Dieu. Amen. Il ne doit pas s'écarter, ni à gauche, ni à droite. S'il ose le faire, Dieu frappe. Amen. En ce moment-là, vous êtes dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au dernier verset. Je pense le verset 68. Vous, vous voyez toutes les malédictions quand Israël fait un pas de côté. Alléluia. Amen. Donc, un disciple accompli, c'est quelqu'un qui doit faire la volonté de Dieu. Amen. Un disciple accompli, il a la qualité de juger de tout, n'est-ce pas Amen. Il a cette qualité. Pourquoi Parce qu'il n'en est plus au lait. Alléluia. Amen. Il n'en est plus au lait celui-là. Mais il a l'expérience de la parole de justice, n'est-ce pas Amen. Son jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les disciples accomplis, c'est-à-dire un HBC2, c'est quelqu'un qui se soucie d'aimer sans qu'il y ait le sentiment d'aimer. Parce qu'il sait que c'est un commandement nouveau. Amen. Et comme c'est un commandement nouveau, Louis, Amen. Amen. il se soucie de payer cette dette-là. Ne devez rien à personne. N'est-ce pas Sinon de vous aimer les uns les autres. C'est ça qui préoccupe un disciple accompli. Ce que amen. tu n'as pas encore fait pour moi, tu dois le faire. Amen. Même si tu l'as fait mille fois, mais puisque je suis toujours dans le besoin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il ne faut pas commencer à chercher des excuses. Ah, mais oui, tu sais, tu sais. ces commandement nouveau est là pour que tu puisses l'appliquer. Mais, mais ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas comme ça. Il faut le désirer. Il faut demander à Dieu pour qu'il t'accorde cette grâce d'aimer même la personne que vous n'aimez pas. Il faut l'aimer. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que... Nous sommes restés à l'amour Philéo. Mais l'amour Philéo nous a joué autant de tours. Amen. Mais je veux vous dire ce que je ne vous ai pas dit il y a deux semaines. Oui. Vous savez, quand vous avez choisi le camp de l'amour, c'est là où sortira la trahison. Amen. Ah oui, oui, oui. oui. Amen, amen, amen. Sachez-le bien. Oui. Quand vous avez choisi l'amour, c'est là où sorti là, la trahison. Oui. Vous prenez le cas du Seigneur oui. avec Judas. Alléluia. Amen. Et ça sera toujours ainsi. Comme cela que tu dis là, ah, même toi mon frère, avec qui je mangeais, tu m'as fait ceci. Justement parce que tu l'aimais. Quand tu es dans, 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 dans la haine, rien à faire. Mais celui-là, parce que tu l'aimes, c'est pour cela que tu. Ah, oh, mon fils. Ma fille, mon neveu, mon ami a fait ceci. Quand tu es dans le camp de l'amour, sache que c'est là où sortira la trahison. Ça va Amen. Tu dois être, tu dois être conscient ou consciente de cette situation. Et ça ne doit pas t'étonner. Ça ne doit pas t'étonner. Ainsi va la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Alors, tu dois toujours te soucier de l'unique dette que tu as, de m'aimer, malgré mes caprices. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui changent d'humeur facilement comme ça. Tu lui dis bonjour, tu me boudes. Pourquoi tu me boudes <laughs> <laughs> moi je dois me décourager, je viens encore. Josias, bonjour. Bonjour. Bon, le jour où tu le voudras, tu vas me sourire. Mais, mais, mais monsieur, monsieur, lui, il est champion en changement d'humeur. Tu lui as rien fait. Tu t'approches de lui. Josias, tu vois que tu, tu vois carrément que la personne tourne la tête. Hey. Alors toi là, tu te dis, oh ben, plus jamais. Non. Tu as raté ton examen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as raté ton examen. Amen. Cette personne-là est championne en changement d'humain. Alors, un disciple accompli, un disciple accompli, son âge de l'état civil correspond à son âge sentimental à son âge émotionnel, à son âge financier. Alléluia. Et vous, vous le sentez dans son jugement. Nous avons appris que grandir en maturité n'est pas une option de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne elle-même. Alléluia. Naître, grandir, et puis passer... Le, passer les rideaux du temps. Amen. Alors, mon cher ami, grandir en maturité demande du temps et des progrès. Amen. Cela ne peut pas s'improviser. Nous avons vu tous les cheminement pour arriver à la, à la maturité, n'est-ce pas? Mm -hmm. Pour les HBC2, ils savent que c'est de la répétition. Jean-Baptiste doit prêcher. Jean-Baptiste prêche pour. Préparer un peuple qui doit avoir un cœur disposé. Et Jean-Baptiste est là pour permettre à ce que tu puisses poser le premier acte de la vie chrétienne. Et quand tu poses ce premier acte, hein, tu deviens un chantier en construction. Et quand tu deviens un chantier en construction, maintenant le moment de croître dans la marche est arrivé, jusqu'à atteindre la maturité. Alléluia. Amen. Vu la maturité chrétienne, elle, elle demande du temps. Il faut travailler pour ça. Il, il ne faut pas être distrait. Amen. Quand tu deviens mature, tout le monde sait te faire confiance. Amen. Tout le monde sait te faire confiance. Parce que tu sais, tu sais bien discerner ce qui est bien, ce qui est mal, Amen. par ton jugement. Amen. Alléluia alors quand tu travailles pour je pense que tu auras aussi le temps de récolter de bons fruits. Alléluia. Merde, merde. Mais à cela, il faut que le sol soit bien préparé. Le merde. sol, c'est-à-dire le cœur. Amen. Ce cœur là qui est bien préparé reçoit très bien la parole de Dieu Amen. et ce cœur va s'appliquer pour que nous puissions avoir des fruits dont le Seigneur a besoin. Amen alors, ce matin, je vous invite à vous lever. Euh, nous allons ouvrir nos bibles dans l'épître de jacques. jacques 1. verset 2 à 3. Jacques 1 verset 2 à 3. Vous y êtes. Alors, nous allons lire ensemble. Hein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez quelle preuve de votre foi produit la patience. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et je vous invite à vous asseoir. Voilà. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pour ce matin, sa parole pour toi et pour moi, nous allons euh, la tirer au verset 3. L'épreuve de ta foi. L'épreuve de ta foi. Tu as revêtu ton uniforme. Ça va? Tu as revêtu ton uniforme et tu as fait le cheminement pour atteindre la maturité. Maintenant, tu dois être sur le terrain. Alléluia. Amen. Tu dois être sur le terrain pour pouvoir appliquer tout ce que tu as amagasiné cela, l'épreuve de ta foi. Alléluia. L'épreuve de ta foi. C'est bien beau de dire, je suis chrétien, OK? L'âge de l'état civil correspond à l'âge de, de l'émotion, à l'âge des sentiments, à l'âge financier. Très bien. Bah maintenant, ce n'est pas par la bouche que nous allons te croire qu'effectivement tu as revêtu ton uniforme. Alléluia. C'est sur le terrain. Ça va? C'est sur le terrain. L'épreuve est ta foi. En général, quand on parle de l'épreuve, Le mot épreuve peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Cela peut désigner un texte, non, un test, une difficulté à surmonter, imposée à une personne, afin d'apprécier ses qualités physiques, morales, intellectuelles en vue de point. Trois points de suspension. Alléluia en vue de faire quelque chose. Dans le contexte qui est le nôtre ce matin, le mot épreuve est souvent utilisé pour décrire les défis ou les moments difficiles auxquels les croyants peuvent être confrontés. C'est une période où la foi et la persévérance sont mises à l'épreuve. Et les croyants cherchent souvent à rester forts dans leur relation avec Dieu malgré les difficultés. Alléluia. Alléluia. Verset 2. Jacques dit aux croyants... De se réjouir dans les diverses épreuves. Alléluia. Jacques te dit, ma soeur, Jacques te dit, mon frère, de te réjouir dans les diverses épreuves. Mais frère Jacques, comment quelqu'un peut-il trouver de la joie dans les épreuves? N'est-ce pas? Une bonne question. Mais frère Jacques, ça ne va pas la tête. Comment quelqu'un peut-il trouver de la joie dans les épreuves Mais il y répond. Alors là, il faut être un, un disciple accompli, un HBC2, pour bien comprendre quand tu lis. Pour bien comprendre quand tu lis. Quand tu poses cette question, Jacques te répond. Au verset 3 et 4, il donne la réponse. Dans l'épreuve, il y a des bénéfices. Alléluia. Amen. Et vous trouvez ces bénéfices au verset 3 et 4. Patience et croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Tu n'auras jamais de la patience sans épreuve. Et tu ne grandiras jamais spirituellement sans épreuve. Alléluia. Eh bien, Jacques répond comme euh, un élève appliqué. Il vous dit, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Donc c'est un bénéfice. Alléluia. Eh c'est un bénéfice important. Et il continue au verset 4 en disant, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien, c'est-à-dire, tu as atteint l'âge de la maturité. Alléluia. Donc ces deux choses-là, nous avons vu l'enveloppe, l'état d'homme fait. Vous avez vu ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qu'on a vu là-dedans. Alors, il faut passer par les épreuves. Alléluia. Attention, il faut bien lire. Il faut bien lire. Il est important que tu remarques que Jacques ne dit pas que le croyant devrait être joyeux à cause des épreuves. Il ne le dit pas. Bon, il faut bien noter. Mais qu'est-ce que Jacques dit Qu'est-ce que Jacques dit Jacques ne dit pas que le croyant devrait être joyeux. À cause des épreuves, il dit dans les épreuves, c'est différent. Des choses différentes. Alors il faut bien l'étudier, il faut bien, il faut bien analyser ce qui se trouve en face de toi. Jacques ne dit pas que le croyant devrait être joyeux à cause des épreuves. Mais dans les épreuves, tu dois être joyeux. Amen. Formulation grammaticale. Ah oui. Être joyeux à cause des épreuves implique la joie découle des épreuves elles-mêmes. Peut-être en tirant des leçons ou en surmontant des obstacles. En revanche, être joyeux dans les épreuves suggère. Maintenir la joie malgré les difficultés. Amen. En conservant un état d'esprit positif face aux défis. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez saisi la différence Il ne te dit pas d'être joyeux à cause des épreuves. Non. Mais il te dit d'être joyeux dans les épreuves. Amen. Donc, c'est une attitude que Jacques met en place. Quelle attitude tu dois avoir quand ça chauffe Amen. Mais tu ne dois pas être joyeux à cause des preuves. Alléluia. Mm -hmm. Quand vous ne comprenez pas ça, ouais. vous faites dire à Jacques n'importe quoi. Okay. Et vous allez dire, mais Jacques, comment moi je vais être joyeux alors... Non, c'est pour cela que j'ouvre. Quand nous étudions ces choses, il faut les étudier convenablement. Amen. Alléluia. Tu dois être joyeux dans les épreuves. Amen. Donc c'est une attitude que tu adoptes. Et cette attitude ne viendra pas comme ça. Il faut être sensible à l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Trop souvent, les épreuves, naturellement, font surgir des gémissements et des plaintes. Quand on n'a pas compris, quand on n'a pas compris, ça se passe ainsi. Même pour la personne qui vous parle, quand on n'a pas bien saisi, quand on n'a pas compris les choses, il y a des gémissements et des plaintes. Mais cette sorte de réaction, mon frère et ma soeur, ne contribue pas à la maturité chrétienne. C'est ça que Jacques dit. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Deux bénéfices, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Deuxième bénéfice, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis à toute bonne œuvres. Alléluia. Alors si tu es dans des gémissements, si tu es dans des lamentations, sache que... Tu auras toujours besoin du lait. Amen. Alléluia. Or, si tu es adolescent, je pense que tu n'auras plus besoin du lait. Il faut quand même avancer dans la manière d'appréhender les choses. Amen. Donc ici, quand tu réagis, cette sorte de réaction ne contribue pas à la maturité chrétienne. Qu'est-ce qu'elle fait Bien au contraire, mm -hmm. elle fait empirer les situations. Amen. Amen. Alors, mon frère, et ma soeur, ce matin, je te dis ceci. Les épreuves ne doivent pas être considérées comme des afflictions. Amen. Il peut compléter ma pensée. Si nous ne devons pas considérer les épreuves comme des afflictions, comment pouvons-nous considérer les épreuves Les épreuves, dans cette nouvelle vision, les épreuves, ce sont des examens. <laughs> Alléluia. Amen. Les épreuves, ce sont des examens. Hey. Qui parle d'examen, parle de l'enseignement. Alléluia. Amen. Qui parle d'enseignement, de qu'est-ce que je vous ai dit? Que chaque fois je n'appellerai je plus épreuve comme épreuve. Quand je parle d'épreuve, je parle, je vois, d'un professeur ou d'un enseignant. Alléluia. Ah. C'est cette qualité que vous devez donner aux épreuves. Les épreuves sont des examens. Amen. On donne un examen pour voir si un élève peut réussir, oui. mais non pour le faire échouer. Mmh. Alléluia. Moi, je suis spécialiste de la formation. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Donc, je sais, quand il y a un programme de formation, à la fin, il faut évaluer. Alléluia. Amen. À la fin, il faut évaluer pour voir si ces élèves que j'ai en face de moi oui. ont compris. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Donc, tu vois, tu viens à l'église. OK. Tu es enseigné. OK. Et après. Tu es là assis, tu ne fous rien, tu dis que tu es chrétien. Hein? Non, 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 non. Il faut passer l'examen. Ah, il faut passer l'examen, il faut passer l'examen. Jacques donne un bon conseil sur la façon d'obtenir une note élevée à chaque examen. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a une bonne attitude dans l'épreuve. Et qui sait où trouver de l'aide dans l'épreuve se trouvera certainement sur le tableau d'honneur du Seigneur. Amen. Il ne sera jamais sur le sel de 10 à 4. Non, il fera la distinction, la, la plus grande distinction. Amen. Parce qu'il connaît où trouver l'aide dans son épreuve. Mais Alléluia. Mais amen. Il ne sera pas. Euh, Bon, quelqu'un qui passe toujours de manière tangente, alléluia. Ah oui, bon, il a été délibéré. On est en délibération. On, on revoit son cas. Eh, il passe jamais Gudif, toi. Hein? Toujours chaque année, chaque année, ah deuxième session. Toujours chaque année, il y, y a des délibérations spéciales pour toi. Non, parce que tu ne sais pas où aller trouver de l'aide. Et ici, nous savons que quand les examens sont programmés, de par toi-même, tu es incapable. Alléluia. On fait comment On fait comment Seigneur, tu as mis cet examen devant moi. Tu sais très bien que je n'ai aucune force je n'ai aucune ressource. Alléluia. Donc si toi, tu ne viens pas à mon secours, Amen. sache que c'est 0 sur 10. Alléluia. Amen. Donc c'est une attitude que tu dois avoir. Chaque fois que tu seras confronté à un examen, n'essaye pas de faire. On se suit. Amen. Tu n'essayes rien. La seule disposition est de trouver le Seigneur. Amen. Et quand tu l'auras trouvé, tu as une confiance. Alléluia. Parce que lui maîtrise toutes les données. Amen. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances, n'est-ce pas Amen. Ça, c'est une façon d'être dans la maison de Dieu. On ne se laisse pas ébranler comme ça. L'épreuve de ta foi. Il faut donc que tu apprennes à aiguiser ta foi. Alléluia. Amen. Et la fortifier. Amen. Car sans la foi, Noah, oui. Hébreu 11, 6, qu'est-ce qu'il dit quand il n'a pas de foi Oh, sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Ok. D'où vient cette foi, Noah Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as entendu Mon frère, c'est cette foi-là qui sera éprouvée. On se suit C'est cette foi qui vient de la parole de Dieu qui sera éprouvée. Pas une autre foi. Est-ce qu'on se suit La foi qui sera éprouvée, c'est la foi qui... Non, reprends. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as entendu et c'est cette foi-là qui sera éprouvée par une autre. Dans, dans, le, dans le message, la foi en action. Dans le message, la foi en action, à la page 10, euh, euh, paragraphe 27, nous lisons euh, ceci. Bon. Il y a deux différentes sortes de ce que nous appelons foi aujourd'hui. Et je suis désolé de dire ceci à mon auditoire ce soir, mais j'en suis très sûr, ou vraiment sûr de ça, c'est qu'il y a trop de foi intellectuelle au lieu que ça soit la foi du cœur. Alléluia. La foi du cœur vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais la foi intellectuelle vient de l'école d'où je suis sorti. La foi intellectuelle fait, 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 fait allusion à ce que moi je sais, à ce que moi je pense. Alléluia. Ce n'est pas cette foi-là qui sera éprouvée. Et il ajoute en disant Prenez Dieu par ce qu'il dit. Amen. Ne changez pas d'avis à cause de l'apparence. Ne raisonnez pas là-dessus. Amen. Si vous n'avez que Amen. la foi intellectuelle, vous raisonnez sur la parole de Dieu. Oui. Vous cherchez à raisonner là-dessus, oui. disant, eh bien, que je vois. Oui. Eh bien, le médecin a dit oui. que je ne peux pas me rétablir. Oui. Et si le médecin a dit cela, cela devait régler la question. Ça, c'est la raison. Oui. La foi ne raisonne pas. Alléluia. La foi croit cela Alléluia. en dépit de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit. Amen. Et c'est cette foi-là qui sera éprouvée. Pas la foi intellectuelle. Amen. Quand tu te mets à raisonner, mais tu sais, bon, le médecin a dit, cancer des poumons, et voilà, mes poumons seront comme ça. Comme... Donc tu as, tu, tu, tu as tous les films. Tu vas chez Google. Voilà. Cancer de foi. Ouais. Allez, on t'enseigne. Et puis là, tu es paralysé. Tu es paralysé, tu es désarmé. Alléluia. Mais Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit. Amen. Peu importe Amen. ce qui va arriver, Amen. Dieu a dit. Amen. Et comme il est souverain, Amen. je m'en fous de ce que le médecin a dit. Alléluia. Mais attention. Amen. Attention. 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 Qu'on se mette d'accord. Les médecins, ce sont des agents entre les mains de Dieu. Amen. Dieu peut guérir par les médecins. Amen. Dieu peut guérir par la parole. Dieu peut guérir par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne discutez pas avec le médecin. C'est ça qu'il a appris. Amen. Et il est limité. Amen. Lui ne peut que soigner. Oui. Mais quant à, guérir, Et Dieu. Amen. 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 quant à guérir, il est dépassé. Alléluia. Alléluia. Quant à guérir, il est dépassé. Donc, quand il t'annonce, madame, monsieur, cancer de foi, il te reste 60 jours. Merci, médecin. Ok Ne le contrariez pas. Non. Puisque... Euh, ah non, nous nous allons prier, non. Mais. Non. <laughs> ça ne concerne pas ça, ça, le médecin. Absolument pas. Non, 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 Amen. non, non, non. Ne discutez pas avec le médecin. Amen. Lui, c'est ça qu'il a appris. Amen. Donc selon le chemin de, oui. de, de son apprentissage, oui. il ne peut que te donner cet avis-là. Oui. Mais toi, en tant que chrétien, oui. oh, tu oui. connais. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Alléluia. Ce n'est pas le médecin, n'est-ce pas Amen. Alors, retourne dans ta chambre, Alléluia. commence à dire, papa, voici ce que l'homme que tu as mis en face de moi a dit. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu as dit Amen. Alléluia. Ta foi doit être forte avant que surviennent les épreuves. Alléluia. Amen. Sinon, tu seras appelé à souffrir davantage. C'est pour cela que je disais tout à l'heure ta foi doit être aiguisée. Amen. Hein? Tu dois fortifier ta foi. Amen. Ça, c'est ton travail. Oui. Ce n'est pas le travail de ta soeur. C'est ton travail. C'est-à-dire, tu connais le secret de la spiritualité jeûne et prière, oui. méditation. Ah, oui. hein? pureté persévérance pardon alléluia amen c'est comme cela que dans la méditation tu vas fortifier ta foi oui. mais tu ne le fais pas ta foi sera toujours faible alléluia amen il est facile d'imaginer que ta foi résistera aux épreuves futures mais c'est dans les mauvais jours hein oui. que tu découvriras vraiment ta capacité à les endurer. C'est dans les mauvais jours, Amen. quand ça va commencer à chauffer, c'est chauffe. ah. dans ces moments-là que tu découvriras que hein, ta foi, elle est aiguisée, ta foi, elle est forte ou pas. Amen. Mais alors, oui. dans les mauvais jours, Noah, oui. Ecclesiastes 7, 14, Ecclesiastes 7,14. Qu'est-ce qu'il dit? Au jour du bonheur, oui. sois heureux. Voilà. Amen. Oui. Et au jour du malheur, réfléchis. Ok. Tu as entendu? Au jour du bonheur, Noah. Hein? Oui. Sois heureux. Et au jour du malheur. Réfléchis. En ces -là, ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des balles qui crépitent. Tu vois ça? Ah! Ça crépite! Donc, au lieu de, au lieu de te plaindre, c'est qui est le plus naturel, n'est-ce pas? Se plaindre, oui, c'est naturel. Salomon t'encourage à adopter une nouvelle perspective. Qui est la réflexion? Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Pas gémir. Oui. Mais tu dois réfléchir. C'est-à-dire, tu dois méditer. Tu dois analyser. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Pour parvenir à une compréhension plus claire de la situation. Amen. 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 On amen. ne gémit pas. Amen. Salomon dit de réfléchir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se cache derrière l'épreuve? Quelle leçon puis-je en tirer? Oui. Amen. Deux attitudes positives face au malheur. Hum. Quel est le message que Dieu veut que je comprenne? Amen. Quelle est la leçon que je dois en tirer? Amen. Ça, c'est Salomon qui te propose cette nouvelle façon d'être. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, une mère calme n'a jamais formé un bon marin. Oui, vrai. Ce sont les épreuves de la vie amen, amen. qui te façonnent Alléluia. en fonction de la manière de les aborder. Alléluia. 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 Tu vois? Donc Jacques parle bien. L'attitude, quelle attitude que tu adoptes oui. Alléluia. quand ça chauffe? Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Amen. Ce sont les épreuves de la vie qui te façonnent en fonction de la manière de les aborder. C'est pourquoi j'ai dit que les épreuves, dans ce sens-là, sont des excellents professeurs, Amen. des excellents enseignants. Alléluia. Alléluia. Amen. Épreuve égale, professeur. Très bien. Ah oui. Le prof, après avoir donné son cours, il a un questionnaire. Ah oui. Bon, ça va. Ce chapitre est terminé. Allez. Bon. C'est pour voir comment tu évolues dans la matière. Ce n'est pas pour te faire échouer. Alléluia. Amen. Donc, en sortant d'ici, tu dois avoir cette base. Et quand l'épreuve est là, moi, en tant que. Ah, puisque je ne fais que parler, 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 parler. L'examen, quand l'examen arrive, je connais où trouver les réponses pour que je puisse sortir vainqueur Amen. puisque là tu n'es plus au lait tu es au niveau d'un grand monsieur dans la masse. voilà mm -hmm. ça c'est ton statut Amen. ça veut dire quoi j'étais à mon poste et je veillais voilà et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Voilà. C'est abakouk 2. Donc, abakouk 2. Et qu'est-ce que abakouk 2 dit Non, on va répéter pour que. Bon. J'étais à mon poste. Oui. Et je me tenais sur la tour. Oui. Amen. Je veillais. Amen. Pour voir ce que l'éternel me dirait. Tu vois, hein? Alors maintenant pour acquérir ces statuts. Et HBC2, amen. <laughs> veillez comme je l'ai dit en semaine, attention, il ne faut pas somnoler quand tu es à l'église. Hein. Tu es à ton poste. Tu n'es pas ailleurs. Amen. Tu es à ton poste. Amen, amen. Alors, un HBC2, oui. comme nous avons dit, c'est quelqu'un qui est exercé. Alléluia. Amen. Il n'est plus au lait. Amen. C'est quelqu'un qui mange la nourriture solide. Amen. Et qui, devant une preuve, a la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. L'épreuve de ta foi. Tu as des migraines. Tu es malade. Portez-laquelle. Tu pries. Alléluia. Amen. Et après avoir prié, la situation, au lieu de s'améliorer, s'empire. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il exaucé ou pas bah. Les infirmières vont dire, oh, oui, 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 ça, ça leur arrive aussi. Eh, hein, hein. On a prié, mais la situation, au lieu de s'améliorer, nous constatons que ça s'empire. Dieu a-t-il exaucé ou pas Quelle est ton attitude Cher infirmier, frère infirmier, quelle est ton attitude Quelle est ton attitude Et frère Tuku? je te dis tout simplement, sois certain de Dieu. Amen. Amen. Si tu es un Nas bc 2 sois, sois certain de Dieu. Sois certain de Dieu. Alléluia. Alors, dans le message « Sois certain de Dieu oui. », à la page 13, paragraphe 61, oui. le messager dit ceci, « Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, oui. quand vous avez satisfait à ses exigences, oui. quand vous avez confessé, Amen. rectifié Amen. et fait des restitutions et que vous avez déposé cela devant Dieu. » Peu importe combien il est silencieux. Est-ce que tu m'entends? Peu importe combien il est silencieux. Il n'en est pas moins Dieu. Amen. Attendant que cette foi entre en action. Ta foi doit entrer en action. Amen. Eh. Oui. Il faut que ta foi entre en action. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a lu dans, dans Hébreu 11, verset 6 Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as entendu Amen. Il faut que ta foi entre en action. Amen. La foi, voilà. Nous avons un pont ici. C'est la foi qui te permet d'enjamber le pont. Amen. Tant que tu es de l'autre côté. Impossible. Amen. Impossible. C'est la foi qui te fait entrer dans le monde visible. Peu importe le silence de Dieu. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. Amen. J'ai mis, c'est lamenté. Zéro. Oui, c'est vrai. Alléluia. Tu réfléchis. C'est ça que Salomon vient de nous dire, n'est-ce pas? Tu réfléchis. Qu'est-ce que Dieu veut que je sache? Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne? Alléluia. Amen. Marc 11, okay. verset 23 à 24. Je vous le dis mmh. en, vé en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui. Et s'il ne doute point en son cœur, mm -hmm. mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok, alors on peut se poser la question, mais quand mm -hmm. oh. <laughs> oh. Oui, Seigneur, tu as dit, mais quand Mais quand Dieu est souverain. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il, il, faut, il, il faut avoir des stratégies. Oui. Mais alors là, il faut se nourrir de Jésus-Christ. Quand tu te nourris de Jésus-Christ, en ces moments-là, tu arrives au même diapason oui. que la parole. Amen. Tu prononces Amen. la parole, Amen. pas tes pensées. Amen. Tu prononces la parole qui est en toi. Amen. Seigneur, tu as dit ça, ça, ça. Amen. Tu as dit ça, ça, ça. Amen. Maintenant, je veux que tu mettes cela en action pour moi. Amen. Mais, nous sommes là comme des soldats qui n'ont jamais été à l'entraînement. En face de l'ennemi, on tourne le dos. Mais, mais vous êtes dans quelle armée Vous êtes dans quelle armée, vous Amen. Alléluia. Ce que Noah vient de lire oui. est encore d'actualité. Alléluia. C'est d'actualité. Alléluia. Et au verset Amen. 22, qu'est-ce que l'Esprit dit? Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Pas à tes raisonnements. Alléluia. Et au verset 23, Noah, qu'est-ce qu qui est écrit? Si quelqu'un. Marc 11, Noah. Oui, ben, si quelqu'un dit à cette montagne, oui? ôte-toi de là, oui? et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Okay. Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit dit La seule condition est du côté négatif, l'absence de doute. Alléluia. Et du côté positif, il y a la foi. Amen. Une confiance inébranlable en Dieu Amen. que la requête sera exaucée Amen. au Amen. temps favorable. C'est d'actualité. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura restructuration dans ton entreprise. Alléluia. Amen. Les conditions économiques sont difficiles. Alléluia. Et on doit licencier. Alors tu es dans, tout, dans tous tes états. Ok? Jeune, on, on vient avec euh, notre frère prier parce que dans notre entreprise, on va restructurer. Tout ça, tout ça. Ok. On prend la requête, nous prions ici à l'église. Mm -hmm. Alléluia. Amen. Malgré la prière, oui. tu es licencié. quand oui. même. Alors c'est quoi? Tu es licencié. On fait quoi On fait quoi Sylvie. Tu es licencié. Tu es, tu es dans tous tes états. Tu es dans tous tes états. Puisque tu te dis, ah mais non, la banque veut que je sois fidèle. Le, le 24, je dois honorer vrai. mon histoire de la voiture. Je dois honorer mon histoire de la maison. Tension! Oui! Tension, tension, tension! Oui! Mais tu vas dans quelle école militaire toi? Oui. Euh... Ce n'est pas une révélation, mes frères et sœurs. Souvent, nous prions sans vraiment croire vrai. que Dieu va répondre. Dieu va faire oui. Alléluia! C'est une réalité. Oui. Puisqu'en ce moment tu sais, Satan, il est il, 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 il ah. peut-être toujours à un centimètre. Oui, tout à fait. oui. Il est toujours à un centimètre. Oui. Là où vous êtes réunis, il est là aussi. Il, là il dit Ah, il est dans cette condition. Oui. Allez. Oui, oui, oui. Il envoie les doutes. Non, il envoie oui. les inquiétudes. Oui, oui. Il oui, souffle oui. ça. Oui. Et tu sens cette pression sur toi. Oui. Alléluia. Amen. La foi. Stable comprendra que la souveraineté de la volonté de Dieu oui. est là. Est ça. Lui seul peut accomplir oui. le miracle ou le refuser. Alléluia. Amen. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, ton rôle de ne pas être déstabilisé. Je t'en prie. Amen. Ne sois pas déstabilisé. Amen. Alléluia. Amen. Pour diverses raisons. Oui. Vous savez pourquoi Toi, tu travail, puisque tu as été promis en grade, commence un peu à te donner des galons là. Oui. Alléluia. Oui, oui, oui. Commence un peu, tu deviens fier là. Oui. Et tu commences un peu à s'en foutre du travail de Dieu. Alléluia. Oui, 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 oui. Tu es en retard à l'Assemblée alors que, avant cette promotion, oui, oui, oui. tu attendais l'ouverture de la porte. Alléluia. Oui, oui. Et maintenant... Tu deviens un chrétien de dimanche. Hein? Oui. Et alors, alors, le lundi, oui. non, le, le mercredi et le vendredi. Alors Dieu s'arrange oui. pour touter ses travaux. Alléluia. Dieu peut s'arranger pour qu'il taute ses travails. Oui. 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 Alléluia. Voilà. Alors toi là, oh, 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 oh. Dieu s'est arrangé pour tauter ses travails. Ah, Amen. Dieu te casse la patte. Amen. Plaque. Amen. Comme ça, tu auras le temps de méditer, le temps de retourner, Amen. le temps de reconsidérer tout. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu te casse la patte. À Amen. Ah, mais il est méchant, c'est belge. Il a cassé la, la patte du, de la brebis. Oui. Oui. Amen, amen. Parce que cette brebis commençait à courir amen. ça et là, amen, amen. ne s'occupait plus de moi. Amen, amen. Alors, fais attention. Amen. Le jour où ça t'arrive, oui. quand tu viens viendras, me frère Albert, ah. ça chauffe. Je dis, ah. eh, ah. réconsidère tes voies. Les soucis, c'est à ce niveau-là. Oui. Albert, ah, regarde-moi dans tes lunettes. <laughs> ah. Overbooké par le travail. Ouais, 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 ouais. Eh hey, papa amen, Du calme amen, 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 amen. Du calme amen, 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 Alléluia amen, 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 amen. Ah mais ceux qui ne prient pas, vraiment ils sont restés moi. Eh, mais toi parce que tu pries, c'est pour ça que tu es licencié amen. Tu es licencié, tu as des comptes à rendre à ton créateur ouais. eh, Comment alors ah vous croyez que Dieu va euh, tout laisser comme ça Non. Tac Ah, tu as compris Amen. Amen. Pour que tu reconsidères tes voies. Dans le message, je, je sais, Amen. à la page 7, nous pouvons lire ceci. Pourquoi passons-nous par ces troubles Qu'est-ce qui fait que ces choses surviennent pourquoi un chrétien serait-il toujours perplexe Pourquoi tout n'irait pas d'une manière parfaite pour un chrétien hein hein Mais cela n'est pas ainsi et nous le savons. En quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des pêcheurs. C'est tout à fait vrai. C'est parce qu'il est écrit. Le malheur atteint souvent les justes, oui. mais Dieu l'en délivre toujours. Oui. Dieu a oui. promis beaucoup d'afflictions, oui. des sentiments étrangers oui. et des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Oui. Mais c'est toujours pour notre bien. Oui. Alléluia. Oui. C'est toujours pour notre bien. Et des fois, quand tu vois une montagne qui est là, oui. tu sollicites les frères, tu sollicites les soeurs. Oui. La montagne ne bouge pas. Il y a un problème entre toi et Dieu. Oui, c'est vrai. Qui doit être réglé. Oui. Alors c'est pour cela que Salomon dit, oui. au jour du malheur, réfléchis. Amen. Ça va oui. Désormais. Mm -hmm. Commence pas à t'agiter. Au jour du malheur, réfléchis. Oui. Alors tu dois... Être capable de te poser des bonnes questions. Amen. Amen. Souvent, nos problèmes ne sont pas résolus parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. C'est vrai. Alléluia. Oui. Il faut apprendre à se poser oui. des bonnes questions. C'est vrai. Le preuve de ta foi. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été éprouvés. C'est très très anormal. C'est très, très anormal. Toujours tirant quatre épingles. On carrosse. Eh, hey, papa. Est-ce que nous suivons la même parole Eh. Hey. Pardon. Pardon. C'est très anormal. C'est très anormal, je vous le dis. Ouvertement. C'est très anormal. Ce n'est pas possible. Tu vas à l'école et tu ne passes jamais l'idée d'examen. Ça, c'est quelle école oh. <laughs> Répondez-moi. Vous allez à l'école Restez. Pas de session. On passe des classes comme ça. Ça arrive, ça. Pas de session, on passe des classes. Ah oui, bonjour. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Pas d'examen, on passe des classes. J'ai le diplôme. Quel diplôme ah Non, monsieur. Pardon. Pardon. Normalement, quelqu'un qui est inscrit dans une bonne école avec de bons programmes à chaque fin de programme, il y a toujours un examen. Amen. Pour voir à quel niveau par rapport à la matière oui. tu es. Oui. Et comme ça, on peut se dire cette compétence a été acquise. Oui. Oui. Voilà. Et on tourne la page. Oui. Et maintenant, à l'UNIF, le programme a changé. Mm -hmm. on, on est là. On est là. Bon, oui, j'ai combien de crédits Oui, j'ai validé tel tel crédit. Esther, c'est -ce, est ça, non il faut valider le crédit. Eh. Vous passez en seconde seulement comme ça en claquant les doigts. Alors, nous là, nous là, nous là. Eh. Vous croyez que donc... eh. non, Vous croyez qu'en dormant, en ne faisant rien, eh. on est négligent. Et puis, bon, voilà, je suis chrétien. Eh. C'est quel genre de chrétien ça Non. Non. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, il y aura des gens au travail, oui. à l'école, oui. à l'assemblée, oui. à la maison pour t'éprouver. Amen hey. Tu dois les savoir. Amen. Hey. À l'école, au travail, à la maison, à l'assemblée, il y aura des gens pour t'éprouver. Amen hey. Oui Soyez certains de Dieu. À la page 11, le, nous pouvons lire ceci. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites au oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés oui. et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet oui. de vous rétablir. Oui. Et ensuite, parce que ça, ça n'arrive pas, oui. vous déguerpissez comme un lâche. <laughs> Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre, oui. puisqu'il ne répond que par la foi. Amen. Donc la foi en action. Amen. Il ne peut répondre que par la foi. Amen. Tout à coup. Amen. Vous vous en allez. Et alors, il ne peut pas répondre. Oui. Mais une foi réelle et véritable oui. restera là. Oui. Sûr oui. que Amen. Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu viens à l'assemblée. On te complique. Alléluia. Tu salues, comme je le disais, à l'entrée de la prédication. Tu salues quelqu'un. Il change d'humeur, alors qu'il n'y a rien entre vous. Mais la personne change d'humeur. Alors toi, tu vas réussir l'examen ou pas La personne change d'humeur. Tu commences à te dire eh, je 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 bonjour et puis et, et examen zéro, examen zéro. Et toi, tu es spécialiste en changeant d'humeur. Sache que tu es toujours au lait. Alléluia. Il est toujours au lait. Toujours, toujours lait, lait, les. Non, 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 non. Il faut arriver Amen. aux choses solides. Amen. Donc, cette personne, appelle l'Assemblée, ils allaient tendre la main, la personne change d'humeur, tu sors, tout ce que tu es en train d'entendre ici va rester là-bas. Donc ta journée est foutue. Mais oui, ta journée est foutue, puisque tu n'as rien gagné. Tu n'as gagné que l'amertume en sortant. Hein? C'est comme si personne ne voulait te voir. On te regarde de travers. Et parfois même, tu étais venu avec ton GSM, tu es allé à la toilette, quand tu reviens, on a volé ton GSM. A tu en as alors assez, n'est-ce pas? Il oui. y en a alors assez. Oui. Quelle assemblée, n'est-ce pas? Oui. Quelle assemblée, ça? Oui. Je ne viendrai plus dans cette assemblée. D'ailleurs, d'ailleurs, hein, mon père était décédé. Personne ne venu me consoler. Alors pourquoi je. Moi, je croyais que j'ai trouvé une bonne assemblée où oui, il y a l'amour. Et je vois qu'il n'y a pas d'amour. Hein Et toi, tu as ton uniforme. Tu as ton uniforme. Pour qu'on puisse t'identifier que vraiment tu es dans l'armée de Dieu vivant. Parce que ton père est décédé. On n'est pas venu te consoler. Et dans tous tes états, mon frère, ma soeur, tout ce qui va te scandaliser à l'Assemblée. Oui que Dieu est en train d'éprouver ta foi. Amen. Amen. Entends-moi bien. Mmh. Alléluia. Tout mmh. ce que tu as répertorié, il ne va pas, pas bien Mais toi, Dieu est en train d'éprouver ta foi. Oui. Est-ce que tu vas déguerpir ou tu vas combattre le bon combat de la foi? Ah. Ah, tout ce que tu, veux, tu as répertorié oui. qui ne va pas ici, sache que Dieu est en train d'éprouver ta foi et rien d'autre. Amen. Rien d'autre. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen. Et tu dois te souvenir de ce que Salomon t'a dit. Amen. Au jour du malheur. Réfléchis. Réfléchis. Amen. Alléluia. Amen. On t'a critiqué. Comment dans une assemblée, il dit des message On critique les gens. Oui. Oui. Amen, amen. Oui. Amen. Mon frère, et ma soeur, amen. tu n'es pas au ciel. <laughs> Alléluia. Mais tu es sur la terre des hommes amen. où chacun lutte. Amen. Contre sa nature charnelle. Alléluia! Alléluia! Charnel. Eh, pour te rafraîchir la mémoire, Noah, oui. tu peux lire Apocalypse 12, Apocalypse. 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Mmh. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok. Oui. Donc le combat, le combat est là. Oui. Le, même, même au ciel. hein. Oui. Hein Il y a les combats. alors toi ici, c'est quoi ça comme histoire Au ciel, il y a les combats. Non. Satan, je vous dis bien, Satan est actif comme agent de Dieu oui. pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. amen. Gloire Alléluia. au Seigneur. Amen, Amen. Satan est actif Alléluia. comme agent de Dieu pour qu'il accomplisse Alléluia. la volonté de Dieu. Ésaïe 45, verset premier. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus qu'il tient par la main. Ok, mais qui est Cyrus? Qui est Cyrus Ah. Va. Va dans verset 13. 13. Oui. C'est moi qui ai suscité Cyrus. Oui. Mais Cyrus, que Dieu a suscité, c'est le fondateur de l'Empire perse. Oui. Qui a conquis le Mède et Babylone. Dieu va lui charger d'une mission. Oui. Merde. Lui, c'est un païen. Mais Dieu va Amen. le charger d'une mission. Il Amen. va, puisque Babylone est, est sous son contrôle, oui. les, 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 les Israélites ont été amenés captifs à Babylone. Oui. Alors quand Cyrus domine sur Babylone, Dieu va lui donner la charge de promulguer oui. un décret. Pour que les captifs oui. retournent chez eux. Donc, Dieu, il travaille. Amen. Il travaille. Amen. Cyrus, un roi païen, mais Dieu va l'utiliser oui. pour une cause même du même. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es scandalisé parce qu'on t'a critiqué à l'Assemblée. Oui. Et quand à la maison, ton mari ou ton frère t'a insulté, Comment as-tu réagi La foi qui te fait entrer au ciel doit être éprouvée. Oui. Rien d'autre. Ta foi doit être fondée sur les rocs. Souvenez-vous, mercredi, qu'est-ce qu'on a vu Deux voies. Maison bâtie sur les rocs ou maison bâtie sur les sables. le sable. Et nous connaissons les rocs. C'est qui Oui. Très bien. Ta foi doit être fondée sur le roc et non sur l'aspect cool du pasteur ou l'aspect cool des frères et des sœurs de l'Assemblée. Oui, oui, oui. ah. euh, euh, ah, le pasteur, il est cool. Hein? Le pasteur, il est... Oui, oui, oui. Les frères sont cool. Une fois contrarié, tu tournes les talons. Tu as fondé ta foi sur l'aspect cool du pasteur, des frères ou des sœurs. Tu t'es trompé. Amen. Tu t'es trompé. Amen. Une fois contrarié, tu en sors une montagne. Amen. Amen. J'ai trouvé une assemblée, mais le pasteur, il est cool. Hein? Oh, vraiment. Pff, très bien. Les frères sont cool. Hein? Les sœurs aussi. Hein? Ah Ok. Te voilà contrarié, ouais. tu tournes les talons. Mon frère et ma soeur, en ce moment-là, je te dis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Tu m'excuses de te le dire. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Dans le message, comment puis-je vaincre hein, À la page 19, paragraphe 75, le messager dit, celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Amen. Éprouvé comment? Par la parole. C'est cela. le preuve que Dieu donne. Croyez-vous cela? Oui. C'est lui qui vient à Dieu doit être éprouvé. Hum. C'est cela seulement qui montre qu'il est un vrai non, un vrai enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui montre qu'il est un vrai enfant de Dieu. Amen. Alléluia. La manière dont tu vas te comporter, oui. quelle attitude que tu vas prendre. Voilà. Alléluia. Mais chaque fois que le pasteur ou le diacre a fait quelque chose de bien, et non, 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 je vous le je dis, dis ceci quand tu tournes le dos parce que tu as été contrarié, on vient de le démontrer avec le messager, franchement. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Puisqu'il faut que tu sois éprouvé par la parole. Alléluia. Hein, le pasteur ou le diacre a fait ceci. Tu es ébranlé. Parce que le pasteur, hein, les fils du pasteur, la fille du pasteur, les fils du diacre, la fille du diacre a fait ceci. Vraiment, vous voyez ça. Eh, à ce qu'il ressemble. Vraiment. Oh. Au lieu de, 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 de jouer la trompette, réfléchis. C'est ça que Salomon nous a dit. Réfléchis. Il ne faut pas claironner. Réfléchis. Il faut avoir des bonnes attitudes pour contrer ce qui te contrarie. Tu réfléchis. Alors, parce que le pasteur. Où le diacre a fait ceci, tu es ébranlé, mais on te dit de réfléchir. Mon frère et ma soeur, chaque fois que le pasteur ou le diacre a fait quelque chose de bien, est-ce que cela a transformé ton cœur Non. Hein Seulement, lui, il met aussi. Il tombe en infraction. Mais chaque fois que le diacre ou le pasteur a posé un acte positif, est-ce que cela a transformé ton cœur Ou bien la haine est restée en toi La jalousie, les critiques, pas d'uniforme, rien. Voyez-vous? Et pourquoi seulement le mal du pasteur t'achoppe? Hein pourquoi seulement le mal du pasteur t'achoppe? Ou le mal du diacre t'achoppe? Pourquoi? Ils sont des humains comme toi. Avec les mêmes problèmes que toi. Alléluia. Quand cela t'ébranle, t'achoppe. Mon frère et ma soeur, je dois tout simplement te dire que ta foi n'est pas affermie. Alléluia. Amen. Ta foi n'est pas affermie, c'est pour cela que tu es dans cet état-là. Pour ne pas être achopé. Suis l'exemple du Seigneur. Lui ne te décevra jamais. Amen. Lui ne te décevra jamais. Dans le message L'agneau et la colombe, à la page 4, paragraphe 11, nous pouvons lire ceci. Je sais que c'est un privilège. Cela vous appartient parce que vous êtes né dans le péché, conçu dans le péché, venu au monde en proférant les mensonge. Mais vous voulez abandonner cela et devenir un agneau. L'agneau n'était pas ronchonneur. La Bible dit il n'a pas ouvert sa bouche quand on l'a insulté. il n'a pas répondu à l'insulte. mais oh, c'est la raison pour laquelle la colombe a pu se poser sur l'agneau. mais nous, qu'une personne agisse mal envers nous, et nous nous mettons en colère. nous nous achoppons. nous devenons de, 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 de porte-parole des accusateurs. Or, c'est le diable qui est l'accusateur des frères, n'est-ce pas Alors, pour tenir le pari, nous devons terminer euh, l'épreuve de ta foi. Dans l'épreuve de ta foi, mon frère et ma soeur, il faut considérer l'attitude de Job. Alléluia. L'attitude de Job doit vraiment nous enseigner, malgré que sa femme... Lui disait, oh, dit, tu continues à servir ce Dieu-là, mon les, et hey, on fout le camp. Et les, les, ses amis qui se sont montrés de piètre conseillers, Job n'a jamais dit quelque chose de déplacé envers Dieu. Alléluia, jamais. Job 1, je pense, verset 22 et 23. En tout cela, Job ne pécha point ah. et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Uh -huh. Voilà. Donc, Job ne pécha point et n'attribua rien, rien d'injuste à Dieu. Amen. Il est resté stable. Et nous aurons le temps en semaine. D'analyser cette attitude de Job dans une prédication. Alléluia. Les scandales de tout ordre et les offenses que les gens s'infligent sans cesse font partie des moyens que Dieu utilise pour éprouver ta foi. Alléluia. Amen. Jacques donne le surprenant conseil suivant Jacques 1, verset 2 qu'on a lu. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète Amen. les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On s'arrête là. Il faut faire face aux épreuves avec une attitude de joie. Ça, c'est le conseil de Jacques. Il ne faut pas les considérer comme une punition, une malédiction. Ou une calamité. Alléluia. Mais plutôt comme quelque chose qui doit t'inciter à te réjouir. Tout ce que tu vas rencontrer du mal dans l'assemblée, en famille, au travail, la foi affermie regarde, écoute et minimise, minimise même ce qui est en train de de se passer. La foi affermie trouve cela hein, normal. Alléluia. La foi affermie trouve cela normal. Pourquoi Parce que le but est de t'amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour toi qu'il ne l'a été avant que l'épreuve vienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour atteindre une maturité chrétienne et une conduite sainte, il est essentiel d'avoir un solide fondement. Et c'est ce solide fondement qui va te permettre de supporter les épreuves avec conscience. Alors, pour que nous puissions nous quitter, je veux que tu saches, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dus au problème d'abord de marque d'identité. C'est-à-dire, Jean 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. À ceci, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples quand vous aimez les uns les autres. Alors, il ne s'agit pas de l'amour filéo. Parce que l'amour filéo nous trahit. Mais il faut accéder au niveau de l'amour agapé. Mais cela, ça ne viendra pas comme ça, sans s'exercer. Il faut atteindre une certaine maturité. Et quand on a la maturité, on est équilibré pour discerner pour juger de chaque situation d'où qu'elle vienne. C'est ça le problème. Maintenant, quand on est on a revêtu son uniforme et qu'on a atteint la maturité, on doit se rendre sur le terrain du combat, le preuve de ta foi. Alléluia. Donc plus question. Les génies, plus question. Tu dois avoir une nouvelle attitude. L'épreuve, c'est un examen pour qu'on puisse vérifier si effectivement tu as acquis les compétences qui ont été déclinées dans ton programme de formation. Et tu dois valider chaque crédit. Si tu ne valides pas les crédits, tu ne passes pas de classe. Il faut avoir une bonne attitude, chaque fois, réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Quelle est la leçon qui se cache derrière cette épreuve Alléluia. Amen. Je pense que je parlais. À les personnes concernées. Alléluia. Et si nous sommes concernés, nous devons agir en conséquence. Alléluia. Noah. Oh, Au congé, songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, je veux chanter. Alléluia, merci pour Gogo go. Oh, quand je songe, je songe à l'amour. Oh, de Jésus et à tous, il a fait, oh, fait pour moi. Alors je...

L'assemblée. Prions. Oh Père céleste, créateur du ciel et de la terre, merci pour cette grâce que nous venons d'avoir ce matin, d'assister à ce culte. Nous n'avons rien mérité, Seigneur Jésus. Alors nous te disons merci. Maintenant que nous avons reçu les instructions, ma prière, papa, tu connais notre faiblesse. Que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, nous outiller pour que nous puissions vraiment, oh mon Dieu, nous mettre au travail avoir de nouvelles attitudes pour contrer toutes les épreuves possibles. Tu viens de nous dire que les épreuves, ce sont des examens pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ce qui nous a été enseigné. Papa, nous comptons sur toi, Père éternel, parce que toi, tu es, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, le secours quand nous sommes en difficulté. Nous savons où trouver de l'aide au moment de l'épreuve. C'est auprès de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur, pour nous abandonner entièrement entre tes mains. Afin que nous puissions être, oh mon Dieu, Père, des vrais combattants. Et quand, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, le test viendra, que nous puissions, Père, nous en sortir. Merci, Père. Pour ta présence au milieu de nous, merci Père. Le temps de nous séparer est arrivé. Nous allons rentrer dans nos demeures respectives, et de la même manière que tu nous as donné la grâce de venir, Seigneur, nous implorons encore ta faveur pour que nous puissions rentrer dans nos demeures respectives. Et pendant toute la semaine, Seigneur Jésus, que tu nous aides, oh mon Dieu mon roi père éternel, de ne pas, oh mon Dieu père, être des solitaires oubliés. Sois avec nous, Père. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Je te prie ainsi, dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Voilà que nous sommes arrivés au terme de ce culte de ce matin. Vraiment, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits, Père. Je pense que tu nous as envoyé la vie, la bénédiction, ainsi que tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir, oh mon Dieu, Père éternel, traverser les épreuves de la vie. À toi l'honneur, à toi la gloire, visite ton peuple, que tu parles à tout un chacun, que tu puisses doter à toute personne la capacité, oh mon Dieu, Père éternel, d'agir, d'une nouvelle façon devant les épreuves. À toi l'honneur, à toi la gloire. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée. Premier communiqué. Vendredi euh, 1er mars, il y aura réunion de prière. Euh, vous savez qu'il y a une loi des séries qui s'est déclenchée, c'est-à-dire. Euh, nous sommes prouvé par trois fois en ce qui concerne ma maison. Nous sommes dépendants de gens du Congo. Nous n'avons pas encore le programme de l'enterrement, donc euh, nous suspendons les visites pour le bon moment jusqu'à ce que nous aurons la date de l'enterrement. Là, bon, quand on va enterrer, les gens peuvent passer pour que nous puissions euh, terminer cela ensemble. Voilà, vous avez les informations concernant la mort de Didier. Je pense aujourd'hui encore ils ont trouvé une salle et que ceux qui ont la disponibilité peuvent y aller. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Notre service est terminé.